Amis internautes, frères et sœurs, bonjour, bonsoir et bon sabbat. Jeudi samedi 4 février, vigile nous gepouti, tu te tiendras devant moi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Jérémie 15, verset 19. Nous vous remercions, Père des cieux, pour la nuit passant bien. Et matin, nous avons passé sur l'étude quotidienne, nous, en voit que nous allons bon gloire, honneur qui revient à nous-mêmes seuls. Béni chaque monde qui vient pour y déplacer pour y aller à l'église, et si la vous prêter la caille pour y suivre sur les réseaux sociaux, tout le monde va jouer port de bénédiction. Père, béni journée de sabbat pour nous, pardonnez péchés au nom de Jésus. Amen. J'ai grandi dans une église où celui qui n'était pas diacre ne pouvait pas toucher au ventilateur, car ce dernier était sacré. Si une femme avait ses règles, elle ne pouvait pas monter sur la chaire de l'église, car la chaire était sacrée. En tant que pasteur, j'ai un jour demandé à une sœur de cette même église pourquoi elle enterrait les restes du pain de cette scène. Et elle a répondu qu'elle le faisait parce que le pain était sacré. Je suppose que nous sommes arrivés à ces saintes conclusions en comparant l'église avec l'ancien sanctuaire juif, puisqu'il avait de l'huile sainte, de l'encens saint et du feu saint. Si le peuple Israël avait ses objets saints, nous ne pouvons pas nous délaisser, distancer. Je crois qu'il vaut mieux la peine de jeter un coup d'œil au concept biblique de la sainteté. Certes, les Écritures nous avertissent de ne pas mélanger ce qui est saint avec ce qui est profane. Moïse nous exhorte à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, de ce qui est impur, de ce qui est pur et de ce qui est impur. Lévitique 10, verset 10. Car la personne qui commettait cette erreur serait tout simplement retranchée de son peuple. Lévitique 19, verset 9. Cependant, nous devons comprendre que notre vie n'est pas centrée sur un sanctuaire physique, comme c'était le cas des Israélites. Désormais, l'accent est mis, n'est plus mis sur l'objet, mais sur la personne. Même si c'était déjà le cas à l'époque de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament a abordé la question de façon plus claire. L'apôtre Paul a par exemple écrit aux saints et fidèles d'Éphèse, Éphésiens 1, verset 1, aux saints et fidèles de Colosse, Colossiens 1, verset 2, à tous ceux qui sont appelés à être saints à Rome et à Corinthe, Romains 1, verset 7, 1 Corinthiens 1, verset 2. En outre, il a demandé que sa lettre aux Thessaloniciens soit lue à tous les saints frères. 1 Thessaloniciens 5, verset 27. Il ne fait aucun doute que l'emphase de Paul sur la sainteté est mise sur la personne Au lieu de tant nous efforcer de veiller à la sainteté des objets, ce que nous devrions faire est que nous assurer de vivre comme ce que nous sommes en Christ, des personnes saintes. Notre plus grande préoccupation ne devrait pas être la sainteté des vêtements, mais la sainteté du temple de l'esprit, c'est-à-dire nous. Je reconnais que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cet appel à la sainteté que plus d'une fois, nous avons été incapables de séparer le précieux du vil. Si tel est notre cas, voici cette merveilleuse et grande promesse. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. Et lorsque nous nous tiendrons devant lui, nous jouirons de sa sainteté. Psaume 96, verset 6. Frères et sœurs, amis internautes, vigile-nous, parlez-nous de la sainteté, parce que nous connaissons que des fois, dans le monde vraiment un bagaille, il y a toujours pour dire, pas toucher ça, parce que ça, c'est bagaille qui s'est lié, ou pas qu'à manier, ou pas diable, ou pas qu'à manier.
mais yo et auteur vigile matinal là qui Vladimir Polanco li vle rappeler nous que on nous pas plus centré nous sous bagay qui sain dans l'église yo parce que nous pas vivre dans ancien dans tant peuple Israël là c'est yo était bagay yo qui était plus en intéressant mais dans tant ça que n'a vivre là on nous fait de moyens que pour nous capable vivre ça que nous y est dans le dans Christ là nous sommes des personnes saintes on nous veiller plus pas veiller sous vêtements saints yo pas veiller sous bagay qui saint dans l'église pour ne pas toucher mais on nous plus veiller sous sainteté et top Saint-Esprit ya. Parce que apôtre Paul ba nous exemple là il a parlé de des saints dans Colosse, des saints dans Thessaloniciens, des saints qui viennent pour à Rome. Mais tout en nous si nous incapables pour nous capables répondre parce que nous des fois plusieurs fois nous pas qu'à répondre à appel de cette terre. Mais un seul bagaille en nous appuyer nous sous promesse ça. L'Éternel, c'est peut-être ça l'Éternel dit, si nous kembe moins, m'a pral répondre nous et puis n'a pas camper devant moi. Et depuis nous camper devant l'Éternel, eh bien n'a plus de toute sainteté. Frèm sèm, en nous kembe men l'Éternel, en camper devant pour nous jouir de cet été.